aujourd'hui, super titre de Patrice Rushen, comment ça s'appelle déjà ? Patrice Rushen, Forget Me Not, qui a été repris par, il y a une, un moment déjà, par, comment il s'appelle ? Merde, comment il s'appelle ? Qui a été repris par, comment il s'appelle ? Will Smith, voilà. Dans un titre qu'il a, donc, et puis derrière, c'était vraiment la bande, hein, c'était Patrice Rushen, donc ce titre, Forget Me Not, donc super titre. Pour aller pour le bon un bon bon plan funk basse slap bien sûr tu l'as remarqué qui se décompose en deux ou trois parties je te le fais ralenti ok donc première partie donc ce petit plan là on va travailler tranquillement, donc appoggiature, qu'est-ce que c'est une appoggiature ? Une appoggiature, c'est quand tu fais une note super rapide avant une autre. Donc là, c'est vraiment ça. Tu vois, par exemple, donc appoggiature, c'est entre le hammer, mais c'est pas, c'est plus rapide que le hammer. Le hammer, c'est plus. Et là, l'appoggiature, c'est une note très rapide avant, donc ça commence d'entrée de jeu comme ça. Donc appoggiature, mi, fa dièse, ok ? Suivi de l'octave, ici, quatrième case, tu vois, petit doigt. Donc tu te rappelles, hein, l'octave, on prend toujours index, petit doigt. Tu verras qu'il y aura un autre octave derrière sur le ré. Donc, premier plan. Ok, première partie de la phrase. Donc ça va faire mi, fa dièse, au ralenti, toujours au ralenti, ça n'a rien de commencer à jouer rapide parce que tu vas pas être à l'aise donc tu mets toujours le métronome enfin pour, au début tu mets pas de métronome au début tu mets le bon doigté donc tu fais les bonnes notes au bon endroit au bon moment sur le tempo donc d'accord donc tu fais ça pousse corde demi deuxième case donc appoggiature tu vois donc tu mets un coup donc l'appoggiature c'est un peu comme le hammer. C'est encore plus rapide, comme je t'ai dit. Tu mets donc une note à droite avec ta main droite, mais tu en mets deux à gauche. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite l'octave derrière. Ok ? Suivi, bien sûr, du petit glissé qui va bien. Et avec l'octave, donc, avec le ré. Donc, ça fait case. Donc, 0, 2, corde demi, tu suis avec ton octave tiré corde de ré quatrième case ok ça marche je le fais ralenti donc tu vas travailler les plans comme ça ok 3 4 3 4 3 4 3 4 d'accord tu travailles ça comme ça chaque plan tu les travailles individuellement ensuite tu suis avec une note étouffée. La note étouffée, je te rappelle, c'est de. Donc tu étouffes ta. Tu ne t'appuies pas sur la corde, sinon t'auras. Si t'appuies sur la corde, t'auras le son. Donc t'appuies pas sur la corde, tu le restes comme ça. La note étouffée, c'est la fameuse ghost note hein, qui donne la dynamique dans le slap. Ouais, c'est ça. T'entends pas les notes en fait. D'accord, ça marche. Donc la fameuse appoggiature. Appoggiature, suivi de la note étouffée, suivi de l'octave, donc octave de ré, tu glisses, tu peux glisser, mais tu peux partir de la quatrième case, ça peut donner un petit effet, si t'es pas obligé, si t'es pas à l'aise au début, tu peux directement arriver sur la cinquième case, tu vois, ce qui te fait ça, tu vois, mais ça peut rendre un petit côté sympa, de faire un petit glisser léger, tu vois. Si t'es pas à l'aise, tu le fais pas, tu fais. Tu positionnes directement ton index sur la corde de la cinquième case. Donc tu fais ta note étouffée, suivie de ton tapé tiré octave. Tu vois ? Donc tu vois, tu travailles ça indépendamment. D'accord ? Donc tu travailles ça premier plan. Okay. Deuxième plan.
3-4. Donc, deuxième plan, là, il fait vraiment un hammer. Ré, mi, mi. Tu vois? D'accord? Bien sur les temps. Et alors, hyper important là-dedans, il faut jouer piqué. Alors, qu'est-ce que c'est piqué? Piqué, c'est-à-dire que tu arrêtes la note, tu vois? Tu joues pas comme ça. Tu coupes le son. On va voir la suite après, d'accord? Donc c'est vraiment bon au début, c'est pas évident. De toute façon, tu peux pas y arriver dès le départ si tu débutes. Mais c'est pas grave, tu le fais et ça va rentrer petit à petit. Donc OK, donc deuxième plan. 1 hammer ré mi casse 5 7 ré mi mi 3 4 ré mi mi 3 4 3 4 3 4 3, 4. Donc si on décompose, on va mettre un métronome, tu vois. Je te décompose le truc avec un métronome. C'est beaucoup plus facile. Si tu mets le métronome. Enfin, c'est pas si tu mets le métronome. C'est pas si tu... C'est obligatoire. Tu vois. Là, le métronome, le morceau doit être à 100, 110, un truc comme ça. Là, le métronome, pardon. Le métronome, il est à 104. Il est à 84, pardon. Tu vois, 3, 4. 3, 4, tu travailles ton appoggiature, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, tu enchaînes avec ton deuxième plan, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Alors, tu vois, moi j'ai mis, je fais un petit glissé, toi. T'es pas obligé de le faire, comme je t'ai dit, si t'es pas à l'aise, tu fais. Donc, si t'es pas à l'aise, tu fais ta ghost note, ta note étouffée, tu fais. Et tout de suite, tu viens de placer ton index sur la cinquième case, comme ça, tu fais ton tapé et ton octave. Okay, et ensuite, t'es prêt pour le plan qui suit. Tu vois? Et ensuite, il fait hammer, ré mi. D'accord? Ré mi, mi. Donc en fait, après ton premier plan, tu viens de placer ici et tu bouges plus. T'as fait. Ok? Donc tu positionnes sur ta cinquième case et tu bouges plus. D'accord? Donc ça, ta première phrase, elle est là. Il y a un mec qui fait des travaux au-dessus, putain, c'est pas possible. Je sais pas si t'entends le marteau, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Donc on arrive sur la. Donc on va dire que la première phrase, elle est là. Ça, c'est ta première phrase, d'accord? Je te le répète. Donc hammer, enfin appoggiature. Suivi de ton octave, fa dièse, ici deuxième case, quatrième case, petit doigt, tu tires, ghost note, tu viens sur ta cinquième case, corde de la, ok, pour faire ton octave, ton tiré. Ensuite, tu fais ton hammer, ré mi, cinquième case, septième case, ré mi, mi, ré mi. Tu vois? Donc ça, pareil, tu peux te le travailler comme ça. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Tu vois, bien calé. Donc si on recommence du début. 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4,
Ça, c'est ta première phase, finalement, tu vois, dans le plan. Ensuite, il revient dans le bas du manche. Donc ça, première partie, tu te la travailles doucement. Donc chaque plan, tu vois, tu te la travailles doucement. Tu prends ton temps et après, on montrera le tempo. Je vais mettre un lien avec une batterie, une espèce de batterie, une batterie électronique, je sais pas comment on appelle ça. Bref, une bande à un mec qui joue la batterie, quoi, pour que tu joues dessus. Je crois que c'est à 108. Comme ça, tu seras à l'aise. Donc, quand tu seras prêt, tu commences doucement. Quand tu seras prêt, bah, tu mets la bande et puis tu joues dessus, toi. C'est un bon plan, hein, sympa, c'est pas très compliqué. Donc, plan suivant, deuxième phrase. Ok. Donc, hammer, si, do dièse. Si, do dièse, deuxième, quatrième. Ensuite, deuxième, quatrième, pareil. Si, do dièse, mi, fa dièse. Et tu reviens, donc ton fa dièse, il est là, tu vois. Et tu reviens, fa dièse, deuxième case, ici, donc dans les graves. Ok. Et c'est pareil, tu travailles ce plan tranquillement avec le truc, regarde. 3, 4. Ça tranquillement, donc je te rappelle les notes. Donc là, on reste dans les cases 2 et 4. Si fa dièse, il met 3 do, 1, 2, 3, 1, 3 do, si hammer, do dièse. Tu en rajoutes 2 avec ton pouce et hammer, mi fa dièse, fa dièse. Il reprend le plan, donc je repars d'ici. Pareil, octave. Et là, tu vois le plan. Fa dièse, sol dièse. Ok. Donc ça, c'est pareil. Tu peux travailler comme ça. 3, 4. 3, 4. 4. Ça marche. Donc bon, c'est un peu lent, c'est pas évident de jouer lentement. Donc regarde, donc le plan, donc une fois que tu reprends ça, donc après ça, tu reprends. Toi, en fait, ça, si tu veux, ça te fait la jonction des deux plans. Si, do dièse, mi, fa dièse. Et ça repart. Si, do dièse, mi, fa dièse, fa dièse. Donc, tous les plans, tu les travailles indépendamment, tu vois. Celui-là, tu travailles indépendamment. Et 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3. Tu vois, la poggiature, c'est exactement ça. C'est le plan de marking, là. Donc ça, on verra ça plus tard. Bon, ça, il faut quand même avoir un petit niveau en slap. On verra ça plus tard pour les slapeux. Donc, on en était où? Donc, je te résume le truc. Mmh.
fa dièse, sol dièse. Et tu reprends avec cette tournerie. Ok, ça marche. Bon, c'est plutôt ça. Hein. Donc, bah écoute, on a fait le tour du truc. Donc, tu vois, c'est un petit plan vraiment sympa. C'est un grand classique de la funk. Hein. Patrice Rushen, Forget Me Not. Pour tous ceux qui mouillent la chemise sur les pistes de danse. Ça. Voilà, donc, écoute, super. Donc, tu me dis ce que t'en penses. Et puis, tu travailles ça, bien sûr. Ça te fait un bon truc, là, pour les fêtes de Noël. Donc, écoute, j'espère que tout va bien pour toi et que tu passes de bonnes fêtes. Avec ta famille, la femme, les enfants, il y a plein de cadeaux pour tout le monde. Donc, écoute, si tu as une belle basse pour Noël, tu me dis, tu nous le fais partager. C'est quand même, c'est quand même sympa, ça. Belle basse haut de gamme pour Noël ou pas haut de gamme, hein, du moment qu'on a une basse. De toute façon, il faut jouer et basta. J'espère que j'ai rien oublié sur le plan de ce morceau parce que, écoute, j'en sais rien. On verra. Bon, si tu arrives à le jouer, très bien. Et puis, on se voit bientôt pour la suite, les amis. Allez, bonjour chez toi. Et joyeuses fêtes. Hein. Allez, je vous embrasse. Salut.